Télématin, placé en quatorzaine à cause du coronavirus, Laurent Bignol a fait son grand retour. Tout est bien qui finit bien pour Laurent Bignol. Placé en quatorzaine après une suspicion de coronavirus, l'animateur a fait son retour dans Télématin ce lundi 9 mars. L'heure du grand retour est arrivée pour Laurent Bignol. Après deux semaines de vacances, lors desquelles il a séjourné en Italie, l'animateur de Télématin devait reprendre les commandes de son émission quotidienne le 24 février dernier. Mais son comeback a finalement dû être reporté. Alors que l'épidémie de coronavirus a frappé nos voisins transalpins de plein fouet, le successeur de William Lemergy a été placé en quatorzaine à la demande de France Télévisions. Les collaborateurs ayant séjourné dans une zone où circule actuellement le virus doivent rester à leur domicile dans les 14 jours suivant leur retour, a indiqué le groupe auprès du Parisien. Absent de nos écrans de télévision pendant un mois, Laurent Bignol a été remplacé par Damien Thévenot, qui a assuré sa dernière animation par intérim, samedi 7 mars. C'est promis, Laurent sera de retour dès lundi matin à 6h30. Je sais qu'il a hâte de vous retrouver. Quant à moi, j'ai été ravi de passer ces quelques semaines en votre compagnie, a déclaré l'ancienne acolyte de Sophie Davant dans cet au programme, seulement quelques secondes avant de rendre l'antenne. Et il n'a pas failli à sa promesse. Laurent Bignol de retour dans Télématin. Ce lundi 9 mars, Laurent Bignol était bel et bien de retour dans Télématin. Dès le lancement de l'émission, le père de famille de 58 ans a fait part de sa joie aux téléspectateurs. Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous retrouver, vous ne pouvez pas savoir à quel point, a-t-il déclaré avant d'annoncer les sujets du jour, dont l'un qu'il connaît plutôt bien. Puisqu'on parle du coronavirus, eh bien on s'intéressera à toutes ces maladies qui peuvent se transmettre entre l'animal et l'homme, a-t-il fait savoir. Ça ne pouvait pas mieux tomber.